Passons à la traumatologie de la lecture. L'acte de lecture est purement cérébral. Ah oui, oui, le corps a même tendance à encombrer. Hein. Du coup, abandonné, livré à lui-même, il s'avachit et se vautre. La silhouette du gros lecteur se reconnaît souvent à son apparence flasque. De plus, la contorsion du corps hein, peut être fatale à l'organisme. Bref, la lecture est la cause de nombreux maux. Alors, bon, polynévrite des membres supérieurs, atteinte des nerfs périphériques, engorgement, problème cardiovasculaire, pincement de l'œsophage, obstruction dans les intestins. Sans parler, évidemment, de la tendinite du lecteur. Oui, qui est aussi appelée la plaie mobile. Alors, regardez. Le lecteur, saisissant son livre en supination, hein, dans une torsion des avant-bras, il finit par déclencher une inflammation des tendons.